1947, naissance du terme soucoupe volante. 1991, 44 ans se sont écoulés pendant lesquels j'ai étudié le phénomène OVNI. Je suis donc un ufologue. J'ai baptisé mon premier ouvrage documentaire « Les soucoupes volantes viennent de notre monde » et « Blackout sur les soucoupes volantes » qui était le second, totalement épuisé. Ils vont paraître en janvier 92 aux éditions Vaugirard, Presse de la Cité. Il faut savoir que, dès le départ, la communauté scientifique, téléguidée, manipulée par les nations, s'est inscrite en faux, a nié en bloc, a parlé d'hallucinations, de canulars. C'est faux. Ce fut un mensonge. Nous allons le développer au cours de la cassette. Mais ce que la communauté scientifique a à se reprocher, ou que nous lui reprochons, ne peut pas s'adapter à tous les scientifiques. Il y a aussi des scientifiques objectifs et honnêtes. Et par exemple, le professeur Michel Bougnas, qui a créé le laboratoire de biochimie de l'université de l'INRA à Avignon. Il a enquêté sur une chose extraordinaire qui s'est produite à Trans-en-Provence. Bien sûr, il ne dit pas « c'était les Martiens, c'était les Vélusiens, c'était les Ibis ». Il a l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'il a constaté, et ce qu'il a constaté, ça ne vient pas de chez nous. Bien, et alors il vous est arrivé dans la vie une aventure assez extraordinaire qui a sollicité votre sagacité, et vous avez fait une recherche pour le compte du GEPAN, le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, sur lequel je ne porterai pas maintenant de jugement, ça viendra plus tard. Un contrat a été passé entre vous et cet organisme. Et le Centre national d'études spatiales, très exactement, puisque c'est en 1980 que le CNES m'avait sollicité pour savoir si dans des circonstances précises, il serait possible de mettre en évidence un impact biologique de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors je leur avais répondu que dans certaines conditions, ça pouvait effectivement être possible. Et donc nous avions passé un contrat entre le CNES et le ministère de l'Agriculture pour le cas où. Une semaine après la signature de ce contrat, un habitant de Trans-en-Provence voit un engin se poser dans son jardin qui laisse une sorte d'empreinte photographique dans le sol. Le professeur Bougnas est alors chargé d'analyser les plantes prélevées autour de la trace. J'ai donc fait une analyse très complète d'une série de plantes prélevées sur le centre de la trace, sur la trace elle-même et à des distances de plus en plus éloignées. Je passe sur les détails, en particulier mathématiques. J'ai pu montrer que bien souvent, les effets qui ont été observés décroissaient, diminuaient en fonction de l'inverse du carré de la distance. Alors ça pouvait faire penser à un phénomène, par exemple, de type électromagnétique. C'est un exemple. J'ai essayé de comparer ces effets produits à ceux de produits toxiques, de produits chimiques, de la chaleur, de sources physiques différentes, etc. Je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer complètement les phénomènes observés, qui présentaient en plus une autre particularité. Dans ces plantes, le métabolisme fonctionnait un peu à l'envers, comme si en mettant en première, vous appuyez l'accélérateur, vous partez en marche arrière. Hein. Et au fur et à mesure que vous accélérez, vous avez moins de consommation, tout ça fonctionnait d'une manière anormale. Voilà. Donc il s'est produit effectivement des troubles assez profonds et liés. Donc je suis sûr qu'il y a eu des perturbations biochimiques anormales. C'est de la toxicologie, hein, pure et simple. Ceci étant, dans la limite de ce qu'on peut affirmer au terme d'une recherche scientifique, eh bien, je ne vois pas quoi d'autre que ce qui a été décrit par M. Nicolaï aurait pu produire ces effets-là. Maintenant, quant à me demander si l'engin est un objet extraterrestre ou pas, alors là, ça, moi, je ne peux pas vous répondre, bien entendu. Ce remarquable travail d'analyse du professeur Bougnas a fait sauter le GEPAN, le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés que nous payons avec nos impôts. Cet organisme de recherche qui a pour vocation d'étouffer la vérité. Il a sauté parce que l'analyse du professeur Bougnas est inattaquable. Alors il a sauté, mais malheureusement, d'autres continuent à sévir sous le titre de CEPRA. C'est la même équipe, c'est le même lieu, CNES à Toulouse, Centre National d'Études Spatiales. Le CEPRA, ça veut dire Service d'Études des Phénomènes de Rentrée Atmosphérique. Alors là, c'est toujours la même histoire, ça n'existe pas, c'est du bidon, des hallucinations. Je voudrais rappeler aussi qu'en Union soviétique, pendant la guerre froide, un individu du nom de Vichinsky,
procureur général de Soviet suprême, un véritable barbare, a nié farouchement l'existence de soucoupes volantes, disant que, c'est curieux, on les voit dans les pays capitalistes, sous-entendu où on boit beaucoup de whisky, mais pas en Union soviétique, qui est pourtant un pays de vaste dimension. Nous savions qu'il mentait. En voici la preuve. Grâce à ce que nous déclare un éminent ufologue soviétique, Boris Chorinov. Oui, j'ai été, si vous voulez, comme ça, donc ufologue privé, comme on dit. Oui. Et puis, je suis rédacteur en chef et éditeur de cette revue. Pour mon livre, là, l'étirage était important, 300 000 exemplaires. Alors, Boris, quand on a commencé à parler des soucoupes volantes, nous, en France, les critiques, les sceptiques disent « Oh, ça, il n'y a qu'en Amérique ». Oui, disons, en 54, vous avez eu toute une vague. Tout à fait. D'accord. Mais chez nous, c'était le silence absolu. Et voilà, vers la fin de l'année 50, on a commencé à en parler. Mais justement, comme chez vous, disant que c'était plutôt aux États-Unis et pas chez nous, c'était de la propagande. Tout à fait. Impérialiste. Tout à fait. Oui. Pour endormir les gens, et d'ailleurs il y a des gens qui continuent la même chose aujourd'hui, surtout de l'Académie des sciences. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure, hors caméra, d'un cas extrêmement intéressant et récent en Union soviétique, c'est ce petit garçon qui n'était pas allé à l'école parce qu'il était malade, souffrant, et qui s'est amusé à faire des photos à la fenêtre. Eh bien, alors, c'était près de Moscou, à une cinquantaine de kilomètres. C'était au mois de mars de l'année passée. Et voilà ce garçon, qui est là même, je peux vous montrer, ce petit garçon souriant. Il est resté à la maison, pour ne pas aller à l'école, en disant qu'il était malade. Et voilà, il prenait des photos de son chat. Et son chat, il en a fait deux. Comme ça, comme vous voyez ici, il y a la fenêtre, il est devant la fenêtre, à un mètre, disons, de la fenêtre, à 1,50 m peut-être. Et tout d'un coup, il voit l'apparition d'un objet juste en face de sa maison. Il faut dire qu'il habite au rez-de-chaussée, et en face, il y a une maison à 4 étages. Enfin, les distances sont connues, c'est 80 mètres entre sa maison et l'autre. Alors lui, il comprend que c'est un ovni, il fait la première photo. Mais tout de suite, il s'approche de la fenêtre, il en a fait une autre, et il prend la décision de continuer jusqu'à la fin du film. Et vraiment, on peut parler de l'adage. Ici, il y a quelque chose qui ressemble à deux pattes, ou à deux dispositifs, disons, qui s'ouvrent pour que ce petit objet puisse sortir. Mais ici, attention, ici, plus de pattes. C'est ça. Ils sont nettement séparés. Nettement séparés. Bon, nettement séparés. Et voilà, on arrive à la huitième séquence. Là, ils se sont bien écartés. Bien écartés. Donc, pas de pattes. Et vous voyez cet écartement. Et puis, ce qui est très important, le film n'est pas découpé. Ah, alors, ça se présente en entier. Continuité. Continuité absolue. Et le, chaque cadre est numéroté. Et comme ça, on ne pourra pas parler des trucs, des trucages. Enfin, moi, je vais essayer de faire un document sérieux. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de photographies de soucoupes volantes ou d'OVNI existent de par le monde. Nous savons aussi que ces engins se posent. D'autres s'écrasent. On a fait des études, des recherches dans ce domaine. Et à ce propos, Roger Rémy, qui est un chercheur de pointe, qui travaille à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il y a 25 ans déjà, m'a raconté des choses étonnantes qu'il avait vues. Il est le représentant de l'IMSA, l'Institut Mondial des Sciences Avancées aux États-Unis, et il a eu entre les mains des éléments irréfutables, extrêmement troublants. Je rappelle, la spécialité de Marcel Vogel était d'abord un grand chimiste. C'est le père des disques durs, c'est le père du floppy disk, c'est le père des cristaux liquides chez IBM, détenteur de plusieurs brevets. Donc Marcel Vogel était un grand chercheur déjà dans le domaine de la chimie. Marcel et moi, nous avons eu entre les mains un échantillon, j'allais dire un sample, un échantillon de métal qui techniquement n'a pas pu être fait sur Terre. Je m'explique, cet échantillon de métal, toutes les molécules étaient faites de façon synthétique,
été rapproché de façon synthétique, ce qui est de loin la technique du frittage, de loin la technique de la céramique, et de loin la technique de fusion du métal. Par contre, une très forte probabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon très alchimiste, la fusion froide, de cold fusion, auquel personne ne croit. J'ai eu l'occasion d'avoir des débris également entre les mains de corps de ces passagers, pour des mêmes raisons d'analyse. Donc il ne fait pas de doute qu'il y a bien eu des êtres vivants qui ont craché sur Terre, qui ont été récupérés par des autorités américaines. Et les malheureux ufologues qui ont été mêlés à ces histoires-là de près ou de loin ont été souvent l'objet d'accidents ou de crises cardiaques, et parfois voire même de chantage au silence. Inquiétant, non. Terriblement inquiétant, puisque derrière tout cela se cache une horrible vérité. L'Américain du nom de John Lee, ex-agent de la CIA, a fait des révélations fracassantes vers la fin de l'année 1988. J'ai moi-même reproduit ces déclarations dans le magazine Le Monde Inconnu en décembre 1988. Il s'agit d'accords passés entre les autorités américaines, le président Truman en l'occurrence, c'était en 1946-1947, et une espèce extraterrestre inamicale. Un organisme secret tout puissant fut créé sous le nom code de Majesty 12, autrement dit Majesty 12 ou MJ-12, où il est question de gris de ces êtres de petite taille. Nous y reviendrons. Sujet tabou que j'ai abordé et développé dans mes deux romans vérité, Ibi Alerte Rouge et L'Entité Noire dans Damouka, aux éditions Vaugirard, Presse de la Cité. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas, hélas, de la science-fiction. C'est quelque chose de vrai, d'inquiétant, qui nous concerne tous, nous, les êtres humains. Des gens sérieux, des techniciens tels que, par exemple, Robert Hastings, qui est un éminent technicien en photographie aux États-Unis, que j'ai rencontré à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, va nous parler de certaines choses touchant à cette horrible vérité. De façon générale, le gouvernement américain a classé top secret les informations concernant les ovnis depuis 1947. On peut dire que depuis 1953, la CIA a senti que ce problème concernait la sécurité nationale et elle a pris la relève de l'US Air Force pour la coordination des recherches concernant les ovnis. Cela continue encore aujourd'hui. J'ai un intérêt particulier pour les documents concernant les armes nucléaires. Un grand nombre de documents datant des années 40 ou des années 60 et 70 font état d'ovnis manœuvrant autour d'installations nucléaires telles que des silos, des centres de développement d'armes nucléaires comme Los Alamos, autour de dépôts d'armes nucléaires, dans les bases du Strategic Air Command. Les documents indiquent clairement que le personnel de ces installations décrivait des objets en forme de disques ou de soucoupes qui ne faisaient aucun bruit et qui parfois tournaient autour du silo à une altitude d'à peine 60 mètres. Des avions de chasse ont été lancés d'une base du Montana pour intercepter ces objets après qu'on les ait vus au-dessus de silos. C'était en novembre 1975. Les documents décrivent avec beaucoup de détails la venue de ces engins nuit après nuit sur une période de 2 semaines au-dessus des installations stratégiques de cette partie des États-Unis. Un ufologue français a, lui, vécu longtemps aux États-Unis, et particulièrement à Albuquerque et au Nouveau-Mexique. La région de Dulles, il ne lui est pas inconnu. Il s'agit de Jean-François Gilles, qui était un chercheur du CNRS, mais qui est devenu un ufologue tout à fait au courant de ces problèmes qui nous cachent les gris. Jean-François Gilles, ces êtres, venus d'ailleurs, on les appelait les IBI, E-B-E. Quelle en est l'origine? Non pas des ibis, mais de l'appellation. Apparemment, ils ont été dénommés comme ça, ces êtres. On verra peut-être un peu après de qui il s'agit.
dès 1947, dès les premiers crashs, dès le crash de Roswell, par un des membres éminents du MJ-12, le docteur Detlev Bonk. Ce qui occasionne, à mon avis, la confusion avec le mot les gris, the grays, the short grays, les petits gris. C'est que la dénomination EBE, EB, a été connue dans les années 80, à savoir pour nous à la fin des années 80, de même que la terminologie les gris, les grays, les petits gris, aussi à la fin des années 80. Mais l'expression gris, c'est une expression ouverte, c'est-à-dire qui était employée par les gens qui s'en occupaient, alors que l'expression EBE est une expression officielle employée dans des documents ultra secrets en 1947 et après. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ibis, les gris, ne sont pas une œuvre d'imagination. Sylvie Houssaye les a reconstitués tels que des portraits robots à la suite de divers témoignages. Bon, et prenons l'exemple du gris. C'est à partir du témoignage de Lully Oswald, qui habite au Brésil et qui est professeur de musique dans différentes universités. Et elle a été enlevée avec un jeune garçon, ami de son fils, et ils ont subi des examens médicaux, sexuels, enfin. Et sous hypnose, elle s'est souvenue de tout ça. Donc elle a fait la description bien détaillée de ces petits êtres, de petite taille, 1m30 environ, aux yeux très noirs, très perçants, au visage triangulaire. Elle parlait par exemple que la peau ressemblait à celle d'un rat mouillé. Donc d'après toutes les descriptions qu'elle a fait en public, le 5 septembre 88, lors d'un congrès à Rio, j'ai pu, grâce à tous ces détails, faire ce portrait robot. Pour ce qui est de l'autre portrait robot, ça, alors, c'est après une trentaine de témoignages où j'ai pris tous les points communs. Et on arrive à peu près à ce personnage qui est déjà plus stéréotypé, un petit peu ce qu'on retrouve dans des films, dans des... C'est moins typé que le gris, là, poilu. Hein. George Andrews est un ufologue américain, un ufologue de pointe. Il est l'auteur de Extraterrestrial Among Us, qui n'a pas été traduit en français. Il travaille à un nouvel ouvrage, Extraterrestrial Friends and Foes, extraterrestres, amis et ennemis. Il va nous expliquer les dessous de ces accords secrets passés entre les ibis et les militaires ou le gouvernement aux États-Unis. La base, selon Lear, du traité, c'est qu'en échange de la technologie militaire, nous devrions donner aux gris des bases souterraines. On devrait les permettre d'enlever des citoyens américains. Mais c'était compris à condition de les ramener sans leur faire du mal. En bon état. Les ramener en bon état. Et ensuite, ils avaient le droit de mutiler. Mais seulement des animaux. Seulement des animaux. Et ils devaient donner une liste des citoyens qu'ils avaient enlevés, MJ-12, au chef du projet. Donc, en résumé, il donnait de la technologie spéciale, oui. Que nous n'avons pas encore, oui. En échange de quoi il recevait un petit pied-à-terre, oui. Et la possibilité de faire quelques expériences inoffensives. C'était présenté comme une étude purement scientifique pour voir comment fonctionnait notre planète et tout cela. Mais quand ça a commencé à se gâcher, quand ils ont compris que d'abord, ceux qui ont été enlevés, ils avaient mis des implants. Comment dire, des implants. Des implants. Des implants qui ont ensuite contrôlé ces gens, comme nous contrôlons des animaux sauvages à qui nous faisons des implants. On a enlevé beaucoup plus de citoyens que n'était prévu. Mm-hmm. Parfois, ceux qui ont été enlevés disparaissaient à tout jamais. Bref, que ça devenait une situation hors de contrôle. Et c'est à ce moment que, d'après John Lear, il y a eu une dispute au sein de MJ-12. Et il y avait ceux qui voulaient continuer à supprimer les informations, des autres qui voulaient tout dire au public pour les avertir de la catastrophe. Les gris souffriraient d'une grave carence génétique.
carence qu'il compenserait grâce à des enzymes prélevées sur des muqueuses de mammifères vivants. C'est l'explication des nombreuses mutilations animales constatées dans certaines parties du monde, et notamment aux États-Unis. Les humains, eux aussi, sont visés dans le cadre de ces expériences génétiques. Il y a deux cas. Là, j'ai pas les noms dans la tête pour l'instant, mais on les trouve dans des tas de publications maintenant, de femmes qui se rappellent avoir été enlevées. L'une, dans un cas, c'était parce qu'elle avait assisté avec sa fille à la mutilation d'un veau. Alors voilà pourquoi on peut faire la connexion, le rapprochement aux histoires de mutilation de bétail. Donc cette femme a été enlevée avec sa fille, et évidemment elle avait très peur de subir le même sort que le veau, qui a été mutilé, une mutilation classique, les yeux, la langue, les parties sexuelles, pendant qu'il était vivant, bien sûr. Et à cette femme, on lui dit non, calme-toi, ça ira très bien. C'est juste un avertissement, quoi, en fait. Bon, et puis il y a un autre cas, et il semble qu'une partie, il y a une phase en ovni, et après, ça se passe dans un endroit souterrain. Alors pourquoi on dit que c'est souterrain, finalement, je suis bien en train de le dire. Il y a toute l'enquête qui est à refaire. Mais, effectivement, tout d'un coup, je ne vois pas si ça peut être dans un lieu très grand. Il semble que ce sont les personnes qui ont eu un sentiment intime qu'elles étaient sous terre, qu'on leur a dit. Voilà. Non. Et puis, il faudrait dire à nos amis européens qui, eux, ne sont pas au courant, parce qu'on n'a rien révélé. Il n'y a que nous, les ufologues avancés, qui avons répandu cette information. Il faut dire que les enlèvements de personnes sont nombreux aux États-Unis, en particulier les femmes. Il y a eu des régressions sous hypnose et l'on a appris que ces femmes, on les avait enlevées pour des raisons particulières. On peut en parler de particulier de nom. Tu veux dire que si on fixe la terminologie rencontre de troisième type quand on voit des entités, rencontre de quatrième type quand il y a un enlèvement, rencontre de cinquième type quand il y a des manipulations sur le corps de la victime, parce qu'on peut parler de victime, il s'agit dans la plupart des cas de gens qui ont été enlevés sans leur consentement, ce sont des crimes punis par la loi aussi bien aux États-Unis qu'en France, que partout dans le monde. Quand il s'agit de femmes, il y a des cas où ces femmes sont apparemment fécondées, se retrouvent enceintes. Il y a des cas, justement, où, au bout de quelques mois, disons 3-4 mois de cet ordre, elles ne sont plus enceintes, alors qu'il n'y a eu ni fausse couche, ni avortement thérapeutique. Et il semble qu'elles aient été enlevées, parce qu'on a des cas d'abduction, je simplifie au maximum. C'est pas une seule source, ni un seul cas. C'est des tas de cas, des dizaines de cas, et un certain nombre de sources, indépendantes, complètement indépendantes à mon avis. Je pourrais expliquer pourquoi. Et donc ces femmes sont enlevées une première fois, fécondées, enlevées une seconde fois, le fœtus est prélevé, l'embryon est prélevé, et il y a même des cas où elles sont réenlevées une troisième fois, quelques années après, il y a présentation d'enfants. Il s'agit d'un enfant hybride. Il y a une source publiée qui est celle de, non pas de Wittler Strieber, mais de Bud Hopkins, dans le bouquin qui s'appelle Invaders, les envahisseurs. Je ne sais pas s'il est traduit encore en français. Non, et ça, c'est une source publique. On peut l'acheter dans des monoprix en Amérique. Comme le confirment diverses sources, les Gris ont installé d'immenses bases aux États-Unis. Selon John Lear, une des bases les plus importantes est située dans l'État du Nouveau-Mexique, près de la petite ville de Dulce. La base de Dulce, c'était dans un coin particulièrement sauvage, mais un coin sauvage qui donne un peu parfois des surfroides. C'est à l'extrême nord-ouest de l'État du Nouveau-Mexique, c'est à 2000 et quelques mètres d'altitude, et dans ce secteur nord-ouest, il y a le mont Hacholetza qui, lui, est à 2400 mètres d'altitude, en quelque chose près. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette base, dont on pense qu'elle est une base leader, elle abriterait non pas 5000 ibis, comme je l'ai indiqué dans Ibi Alerte Rouge, mais environ 18 000, ce qui présuppose une base très importante. Ce coin sauvage est sur la réserve indienne Jicarilla, ce sont des Apaches. Nous étions, quelques amis et moi,
dans la région vers le milieu du mois d'août 1991, nous avons vu ce secteur, c'est impressionnant. Nous avons interrogé des gens qui reconnaissent qu'effectivement, il y a plusieurs passages d'OVNI dans la région. Nous n'avons pas pu voir cette base. Nous espérons y retourner un jour. Je ne suis pas sûr que nous puissions la voir. Et on n'est pas sûr non plus d'ailleurs d'en revenir. Ça, c'est une autre histoire. Alors, voici deux témoignages importants. J'étais alors dans le désert au sud de Belen, au Nouveau-Mexique. Il y a une route qui va à Montaner, et j'étais à 8 km au nord de cette route. Je regardais la montagne au sud. Lorsqu'il y a eu un flash lumineux au-dessus de cette montagne qui s'est dissipée. Et quand je suis allé sur place pour examiner, je n'ai pu trouver aucun débris d'aucune sorte. Voilà, avec tous les gens qui étaient. C'était au pied du Mont Achuleta. Oui, du Mont Achuleta, mais en fait, on était déjà sur les hauteurs. On était parti très haut et on dominait tout le Mont Achuleta. On était en haut du Mont Achuleta. On était sur un plateau. On avait trouvé un plateau pour camper. Et on avait fait un très bon barbecue que Gabriel Valdez nous a préparé admirablement. Le plus jeune fils de Gabriel dit « look », mais très fort, un look qui a surpris, une exclamation. Et on a tous levé nos têtes à ce moment-là et on a vu au-dessus de nous, dans le ciel qui était à ce moment-là devenu vraiment très noir, très après le coucher du soleil, on a vu une lumière mais qui semblait éclairer toute la montagne, qui a formé un boomerang au-dessus de nous. Ça n'est pas parti droit, c'est parti, disons, de l'ouest et c'est allé à l'est. Et ça paraissait pas très loin de nous, en fait. Et comme tu verrais un nuage au-dessus de toi. Et d'une intensité extraordinaire. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. J'ai pourtant vu des tas d'avions, j'ai vu des tas d'objets familiers voler. Et alors, à l'arrière de cette lumière extraordinaire, il y avait comme des étincelles qui se dégageaient de toutes les couleurs, de rouge, jaune et vert et bleu. Sur la face de la montagne. C'est la face de la montagne. Sans laisser de traces naturelles. Sans laisser de. Et pas le moindre. Comme si ça s'était volatilisé. Comme un gaz, comme une bulle de savon quand elle éclate, pof, comme ça. Et Gabriel a aussi dit, je vous l'avais dit, on les voit tout le temps. Et effectivement, ce phénomène n'est pas rare à Dulce. Pour nous, c'était extraordinaire, c'était la première fois. Mais il disait que les Indiens témoignent d'au moins deux apparitions comme ça par mois. Au-dessus de la montagne, il les voit tellement qu'ils n'y font plus attention. Au-dessus du Mont Achuleta. Au-dessus du Mont Achuleta, essentiellement, toujours au-dessus de cette montagne. Comment une telle vérité a-t-elle pu être cachée, maintenue sous le boisseau par les autorités? Lorsque le Majestic 12 a vu le jour, dans le courant des années 40, cet organisme créé à l'instigation des Ibis, de ces êtres des bases souterraines, les autorités américaines ont contrainte. Fait le blackout, fait le silence et la censure. D'abord, en essayant de convaincre le monde scientifique que les ovnis, les extraterrestres, les soucoupes volantes, tout ça c'était de la foutaise et que ça n'existait pas. Beaucoup de savants à l'époque ont marché parce que ça entrait dans leur propre vue. Ça les gênait que nous ne soyons pas les seuls à être les plus beaux, etc. Bon. Après coup, il fallait véhiculer ces mensonges, cette intoxication criminelle, on peut le dire. Et pour le véhiculer, qu'est-ce qu'il fallait? Les médias. Alors, le monde savant, porte-parole du MJ-12 et du gouvernement secret, a induit en erreur les médias, qui à leur tour, en toute bonne foi, ont induit en erreur nous, les cochons de payants, toujours à payer pour les autres. Alors attention, méfiez-vous, amis, des déclarations officielles, quelles qu'elles soient, touchant les ovnis. Elles sont fausses. Le lieutenant-colonel Wendell Stevens, il y a 25-30 ans, a été nommé à un organisme militaire qui s'appelait le Project Blue Book, le projet Livre Bleu,
pour soi-disant enquêter sur les ovnis, avec ordre, en réalité, de les mettre sous le boisseau, d'étouffer la vérité. Wendell Stevens s'est vite aperçu qu'on voulait le manipuler. Il est parti. Il n'a plus voulu continuer dans cette voie du mensonge. Et il est devenu ufologue. Ça ne lui a pas apporté bonheur parce qu'on a essayé de le salir. Mais Wendell Stevens est un brave homme. C'est un homme qui a le courage de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a appris. Et il nous en parle. Je pense que MJ-12 existe à un très haut niveau. Le MJ-12 existe à de très hauts niveaux, mais probablement pas dans la structure officielle du gouvernement. Il n'y a aucune trace et aucune ligne budgétaire n'est prévue. Il obtient ses fonds de différentes façons. Nous avons découvert son existence en 1979. C'était une société très secrète, composée de 6 militaires et 6 scientifiques. Ils étaient chargés d'enquêter et de maintenir le secret sur tout ce qu'ils pourraient trouver relié au phénomène OVNI. Nous avions créé des équipes de récupération dans différentes parties du pays, ceci afin d'anticiper les problèmes à venir. Lors du crash d'Aztec au Nouveau-Mexique, nous avions une équipe juste à côté, de l'autre côté de la frontière, au Colorado. Ils ont pu observer l'approche de cet objet, visiblement hors de contrôle. Il y a eu des hélicoptères sur le lieu du crash, moins d'une heure après l'écrasement. Les hélicoptères tournaient autour du site. Des gens d'une équipe spéciale habillés en bleu foncé se préparaient à prendre le contrôle des lieux. Ils avaient un uniforme bleu sans marque que je connaisse, ainsi qu'un béret bleu. Ils ont pris en charge le secteur et ont fait partir toutes les autres autorités policières. Ils ont alors transporté l'engin vers un endroit secret. Nous pensons qu'il y a des résidus de ce crash dans un laboratoire près d'ici, ainsi qu'à Los Alamos et à la base 51 au nord du Nevada, et peut-être à d'autres endroits. Ces équipes ont donc transporté les débris et ils ont pris le contrôle du crash d'Aztec en très peu de temps et ont pu maintenir le secret. Il y a plusieurs arguments en ce qui concerne les personnes pour qui ils travaillent. Mais les membres clés du gouvernement sont également souvent membres du MJ-12. Plusieurs officiers étaient membres du MJ-12, et peut-être encore maintenant. Ce comité est chargé de contrôler le plus grand secret que ce pays ait. Ce secret est tel qu'aucun élu ou officiel n'a le droit de le connaître, car il pourrait partir avec ce secret. Donc, un officier ou un officiel du gouvernement doit avoir un besoin très spécifique pour avoir accès à ces informations. Mais généralement, il est englobé dans le groupe ou la société, ainsi il ne divulguera rien. Nous avons déjà parlé de censure, mais il est peut-être bon d'aller plus avant dans son domaine controversé, mais malheureusement sournois et bel et bien réel. Et ce qu'on a noté, c'est que le grand public est tellement conditionné par 40 ans de mensonges qu'il prend tout cela à la rigolade. La presse sérieuse ne parle des ovnis que pour rigoler, tandis que les tabloïds, ils font une censure à l'envers. Ils exagèrent tout, ils en rajoutent, ils en exagèrent et réduisent à l'absurdité de cette façon-là. Et c'est très instructif que, par exemple, les tabloïds, le National Enquirer, le propriétaire, c'est en effet un ancien du CIA. Les médias ne sont pas les seules victimes. Il y a aussi des personnes, et vraiment victimes. Par exemple,
Tout d'abord, on a nié l'existence du MJ-12, c'était facile, ça rendait service aux canailles de la science et aux canailles des médias qui sévissent de par le monde. Mais il y a quand même des documents. Par exemple, cette lettre du président Truman adressée à James Forrestal, alors secrétaire à la Défense aux États-Unis. C'était le 24 septembre 1947. Il lui parle du MJ-12. Vous êtes par la présente autorisé à procéder avec toute la vitesse et la précaution nécessaire à votre enquête. Ce sujet devra être référé exclusivement comme Opération Majestic 12. James Forrestal a exigé du président Truman de révéler la vérité au Sénat. On l'a convaincu qu'il était souffrant, déprimé, et qu'il était nécessaire de le garder quelques jours à l'hôpital Bethesda de la Navy, un grand hôpital au nord-ouest de Washington. Et là, trois agents de la CIA l'ont étranglé, ont attaché un drap autour de son cou, on l'a défenestré, et malheureusement, le drap a cassé. Et ça fait mauvais effet, ça fait désordre, c'est ainsi qu'on a appris qu'il s'agissait d'un assassinat. D'autres cas sont connus, peut-être moins définitifs. Celui, par exemple, de Paul Benewitz. Docteur Paul Benewitz, qui est un industriel. Oh, c'est pas la maison Ford, c'est pas Chrysler, etc. C'est un petit industriel du Nouveau-Mexique qui, un jour, sur son ordinateur, a capté un dialogue entre Kirtland Air Force Base, c'est de la base de l'Air Force, qui est mitoyenne de l'aéroport d'Albuquerque, l'aéroport civil, et une autre source qu'il pense avoir identifiée, en celle de Dulce, la fameuse base. Alors il a été sidéré de comprendre que cette base IBI, extraterrestre, communiquait avec une base de l'Air Force. Et il a dit, je vais me mettre dans le circuit. Et Kirtland lui a dit, oui, c'est peut-être intéressant, on va se voir. Et là a commencé une abominable intoxication qui a diminué Benewitz. Bien, on a la confession de Bill Moore au congrès du MUFON en 1989 à Las Vegas, où Bill Moore s'est accusé, a fait des aveux en public devant 400-500 personnes. J'y étais, comme quoi il avait participé à un travail d'équipe pour déstabiliser, pour détruire l'équilibre affectif et émotionnel de Benewitz. Et qu'il y avait de nombreux, par exemple, bris de domicile, qu'on s'appelle effraction. Il déplaçait des objets, il faisait des petits montages avec des personnages, mettons, déguisés, dans sa rue. S'il appelait un membre de sa famille, le temps que la personne arrive, bien entendu, il n'y avait plus rien. Et n'importe quelle personne, même la plus solide, si on fait ça suffisamment longtemps, avec suffisamment de savoir-faire, ouais, et il y a du savoir-faire, la personne craque. Now. Si on croit ce que dit Bill Moore, Richard Doty de l'US Air Force lui aurait ordonné de fournir à Paul Benewitz de fausses informations. Cela afin de le mettre à mal. Il affirmait qu'il y avait des atterrissages d'OVNI au Nouveau-Mexique et ainsi de suite. La vérité sur tout cela, je ne la connais pas. Mais je sais qu'entre les années 80 et 90, il a été fourni en fausses informations par l'US Air Force sans la moindre raison. Quand je l'ai rencontré, je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, mais je dirais que sa santé mentale était plutôt précaire. L'un de nos reporters s'est rendu à Montréal en octobre 91 pour y rencontrer, le contact était d'accord, le rendez-vous était pris, pour y rencontrer un ésotériste, grand amateur d'étrangeté et d'OVNI, qui devait nous parler de ses recherches, etc. Et comme c'est le cas fréquent dans le problème de l'ufologie, il y a eu un incident de parcours, un incident de route. Il s'est rétracté, il nous a posé des lapins, et notre reporter n'a pas pu agir. En France aussi, il y a des preuves de pression, je dis bien. Vous savez, ou ne savez pas, et il est important de vous l'expliquer, que les archives publiques sont régis par des lois sévères, à bon escient d'ailleurs,
On ne peut pas les divulguer n'importe quand, il y a un rituel à respecter. Ce que vous ignorez, ami, c'est que sont classés archives publiques tous les rapports de gendarmerie concernant les témoins d'observation d'OVNI, d'atterrissage ou de rencontre du troisième type. Alors, dans le journal officiel du 5 janvier et dans le journal officiel du 12 décembre 1979, vous pouvez me le procurer pour quelques francs en photocopie. Il est précisé que si les archives publiques concernent une personne, bon, la divulgation ne peut être faite avant 50 ans. Mais imaginez un gendarme qui, pour des raisons personnelles, ne croit pas aux ovnis, est contre les ovnis, n'aime pas les ovnis, ni les ufologues, il va chercher la petite bête parce qu'il connaît la loi, un gendarme connaît la loi. Alors il va demander au témoin, voilà, Madame Dupont, Monsieur Durand, vous dites avoir vu un engin, etc. Très bien, vous allez bien, vous avez une bonne santé? Ah oui, absolument. La dame lui dit, ah, mon Dieu, j'ai fait une égratignure, j'ai un corps au pied, mais tout va bien. Le gendarme note, Madame Dupont nous a déclaré ce jour souffrir d'une petite égratignure et de corps au pied. J'exagère. Mais ça, c'est une connotation de santé. Et la censure n'est pas de 50 ans. Elle est alors de 150 ans. Mais en France, la censure n'existe pas. On nous prend donc vraiment pour des crétins. Notre groupe d'ufologues de pointe et d'extrême pointe, d'ufologues qui savent prendre des risques. Il y a Alain Ranguis, qui est un jeune chercheur de CNRS, et Patrick Gamm, qui est un technicien de l'EDF. Ils ont eu à pâtir, tout comme moi d'ailleurs, de menaces, de harcèlement. Et Patrick Gamm va nous raconter ses propres problèmes. Oui, c'est suite à... On est rentré à l'IMSA, au conseil d'administration de l'IMSA. Et ça a commencé le 7 septembre 1985. Alain venait de rentrer de congé. Et puis ça a commencé par des coups de téléphone. Anonyme, bien entendu. Relation, c'est-à-dire qu'on nous mettait en communication sans qu'on appelle Alain et moi-même. C'était des lettres anonymes, détérioration sur les véhicules. Et ça, ça a duré pendant plusieurs mois. Alors, Patrick nous a parlé de septembre 1985. C'est à peu près à ce moment-là que je mettais une main un peu définitive à un bouquin documentaire qui s'est appelé « Le monde étrange des contactés ». Ça plaît aux canailles du MJ-12. Et ça s'est intensifié. Et un soir, nous avions rendez-vous, Patrick Gamm, son épouse Bernadette, Alain Ranguis et Brigitte, son épouse, ma femme et moi, pour dîner et parler de nos problèmes. Et nous étions donc chez moi. Nous nous installons et là, c'est devenu l'enfer. Jusqu'à 1h du matin, l'heure à laquelle nous nous sommes séparés, les agressions téléphoniques n'ont pas cessé. Absolument. N'ont pas cessé. Et c'est là que, exaspéré, j'ai sorti mon automatique. Je n'ai pas tiré sur le téléphone, évidemment. Mais j'ai actionné la culasse et j'ai dit... à celui qui était au bout du fil, dont j'entendais la respiration, je lui ai dit, espèce de, j'ai dit un mot rimant avec épinard. Je lui ai dit, espèce de, j'espère que tu as compris ce que c'était que ce bruit que je viens de faire, et en l'occurrence, j'espère aussi que tu tireras plus vite et mieux que nous, si un jour nous sommes confrontés.